Le coaching professionnel consiste à accompagner une personne volontaire dans le cadre d'un coaching individuel ou un groupe de personnes dans le cadre d'un coaching collectif vers un objectif bien déterminé. Le coaching est un accompagnement favorisant la réflexion, la prise de recul par rapport à des difficultés rencontrées. D'abord diffusé auprès des dirigeants et des cadres dits à haut potentiel, le coaching se développe de plus en plus, y compris au sein des trois versants de la fonction publique. En respectant plusieurs étapes dans un espace-temps préalablement défini, et via le déploiement au fil des séances d'une méthodologie et d'outils adaptés au contexte, le coaching permet au client de prendre conscience de sa problématique et d'être guidé pour déterminer et mettre en œuvre un plan d'action. Le coaching n'est pas de la formation. Il ne s'agit pas de délivrer un savoir, mais d'aider la personne à rechercher ce qu'elle a en elle. Ce n'est pas non plus du consulting. Le coach ne donne ni conseils, ni avis. Le coaching n'est pas une thérapie. Le coach travaille essentiellement sur l'axe présent-futur. Enfin, le coach n'est pas un mentor, et encore moins un gourou. Il ne se positionne surtout pas comme un modèle à suivre. Merci d'avoir suivi cette première séquence relative au coaching. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver l'ensemble de nos contenus. N'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo.